dirait un trip numérique. Cela fait maintenant un an que le réseau CityOS, le programme de ville intelligente de Chicago, a été mis en place et la réception du public a été très positive. Nous avons interrogé plusieurs de nos concitoyens. Voici leur témoignage. Bordel de merde !
je rêve pas, c'est le justicier des impôts. Ça fait longtemps que t'es là-dedans. Tu vas bien? Max, chérie. Tu veux qu'on en parle? De ce qui t'arrive? De ton corps qui change? Ce serait bien que tu parles avec ton père, tu crois pas? Choupinou! Tu sais quoi? T'as raison. On va l'attendre pour ça. Voilà. La polémique concernant la réélection de M. Rochemort prend de l'ampleur. D'après les sondages, le maire doit sa victoire au fait d'avoir favorisé l'implémentation du programme infrastructurel de ville intelligente, aussi appelé CityOS. Mais certains pointent du doigt les perturbations survenues sur le réseau, comme le dysfonctionnement de ponts et autres feux. Sauf que la main droite, c'est pas ce que fait la main gauche. Écoutez.
regardez, ont déjà tarifé les données qu'ils récupèrent. Ils mettent en relation des publicitaires et des hommes politiques. Pour dire, le maire en a rencontré deux la semaine dernière. Tout ça n'a rien de surprenant alors. Pourquoi est-ce qu'il le cache au conseil d'administration? Il y a quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre, mais je sais pas encore quoi. Tu es sûr que tu ne peux pas venir avec nous? Tu veux qu'on fasse quelque chose? On va pas manger. C'est bizarre. Même.
Vous pouvez dire ce que vous voulez, docteur Patel. Je me ferai jamais vacciner. Les vaccins, c'est un truc qui rend encore plus malade. Mais non ! Il faut vous faire vacciner ! Vous avez entendu parler de l'immunité collective ? Traitez-moi de débile tant que vous y êtes. Mais non ! Bon, on recommence. À votre âge, c'est très important de... Bah dites que je suis vieille. Et si on fixait un rendez-vous ? Comme ça, là, hop, vous et moi, on essaye ? Alors on en profite.